Salut les voyageurs, nous nous retrouvons dans un épisode qui va nous emmener dans le golfe du Morbihan et plus particulièrement dans les villes de Vannes et dans le petit port de Port-Navalo avec deux trois petites choses supplémentaires. J'espère que comme nous, cette région va te plaire au visionnage de cette vidéo. Et il s'agit ici de la dernière étape de notre périple de l'été 2020. Il sera temps ensuite, dans les prochains épisodes, de revenir avec des étapes France Passion. Centre-ville de la ville de Vannes, où on se trouve maintenant, est à moins d'un quart d'heure du camping où nous nous trouvions. On parlera de ce camping à la fin de cet épisode. Vannes, incontestablement, fait partie des plus belles villes de Bretagne. Un ensemble architectural particulièrement préservé. Beaucoup, beaucoup de monde les jours de marché, comme tu peux le voir sur ces images. Tu noteras sur les deux images de droite la différence énorme d'occupation des sols par le marché quand le marché est là. Et quand il n'y est pas, la ville paraît très vide les jours où il n'y a pas le marché. L'Euroalligen, qu'on peut accéder typiquement comme nous en scooter, en contournant complètement Vannes et en prenant à gauche une fois arrivé dans Sarzon, c'est un de ces endroits typiques comme il y en a beaucoup en Bretagne, avec une magnifique et gigantesque grande plage, assurément des heures de jeu pour les enfants ou pour vos petits-enfants en fonction de l'âge des personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Ce sont assurément des heures de découverte à marée basse quand on retourne les rochers et qu'on découvre les petits animaux qui peuvent se cacher sur ce type de plage. Des grands souvenirs en tout cas pour nous du passé.
allant un peu plus loin sur la presqu'île de Ruisse que finalement le roi Ligon qu'on vient de voir, eh bien on arrive à Port Navalo qui est véritablement l'extrémité. C'est l'endroit où finalement les eaux rentrent et sortent au moment des marées à l'intérieur du golfe du Morbihan. Ça produit énormément de brassage d'eau. D'ailleurs, pour la petite histoire, les Bretons disent qu'à partir du moment où c'est navigué dans ce type de remous, on commence à être un véritable marin. Sur les images qui vont suivre, qui ont été filmées en accéléré, tu vas pouvoir de toute façon remarquer la vitesse de l'entrée des eaux de la gauche vers la droite à l'intérieur du golfe du Morbihan. On le voit y compris à la vitesse de certains bateaux qui passent, typiquement des voiliers qui n'ont pas forcément beaucoup de toile, beaucoup de voilure et qui vont très vite, en opposition aux bateaux qui viennent de la droite et qui partent vers la gauche, qui eux sont en train de remonter le courant qui est très tumultueux au moment où nous filmons ces images. Il y a plusieurs restaurants à Port Navalo. Celui qui nous a particulièrement attiré, comme vous avez pu le voir par rapport aux tables extrêmement bien placées à la vue, c'est le Petit Zef. On a particulièrement bien mangé les produits de la mer, un service impeccable, très aimable, un très bon moment passé tous les deux avec cette vue splendide.
la balade du Marais du Hézo, en fait, on y est tombé quasiment par hasard, en revenant sur Vannes, de retour de Port Navalo. On se promenait un petit peu dans toutes les petites criques que l'on voit côté golfe du Morbihan. Et c'est une magnifique balade d'une dizaine de kilomètres, en plein milieu de la nature, extrêmement paisible, et avec des paysages qui changent totalement quelque part de ce que l'on voit habituellement en Bretagne. Le camping dans lequel nous nous trouvions, il y en a une vidéo qui a été publiée il n'y a pas très longtemps et je t'invite à la retrouver ici puisque ce que tu vois en ce moment c'est quelque chose de très très rapide et d'un petit peu dégradé puisque le but n'est pas de voir deux vidéos en une seule. Un camping formidable, un camping 4 étoiles, donc pas donné mais qui a des très belles prestations et vraiment à deux pas du bord du golfe du Morbihan. Donc, idéal pour les petites balades tranquilles, notamment en fin de journée. En conclusion, on a fait ensemble un tour dans le golfe du Morbihan. Certains considèrent que c'est la Bretagne absolue. D'autres considèrent que c'est plutôt les côtes du Nord, notamment avec la côte de Granit Rose. D'autres considèrent que c'est Quimper, peu importe. Mais en tout cas, c'est un incontournable de la Bretagne. On a adoré ce coin, on y revient régulièrement. J'espère que ces images t'ont plu. J'espère que ça te donnera envie d'y aller, de découvrir ou d'y retourner. En tout cas, merci par avance pour ton pouce bleu. Si vous découvrez cette chaîne et ce type de vidéo très structuré, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est vraiment formidable pour nous. Et puis, à bientôt.